mais je suis un ballon. Oh la vanne, écoutez la vanne. Que c'est sûrement pour ça que dernièrement je me sens si ballonné. Énorme vanne. Bon bah énorme vanne, on est mort de rire, ce sera l'intro de cet épisode. On n'a pas à faire les vannes, elles sont déjà faites. Mes post-it géants ont disparu eux aussi. Comment je vais pouvoir me rappeler d'acheter de nouveaux post-it géants? Arrête de faire des vannes, on est mort de rire. Par pitié, Patrick. Patrick, si tu veux me tuer, tu vas y arriver hein. On ne respire plus, Patrick. Prêt les enfants? Oui, capitaine. J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Wow. Bob l'éponge Cosmic Shake. Moi j'avais beaucoup aimé le dernier jeu Bob l'éponge. J'espère que celui-ci est à la hauteur. Alors moi j'ai testé un petit peu, j'ai goûté. T'as goûté, t'es un gourmand, toi. Toi t'aimes bien manger les jeux. Je sais pas comment on catégorise ce genre de jeu, tu sais, c'est des jeux un peu à la Mario World. Ouais, plus comment on appelle ce Mario là. Des Mario Sunshine, ce que tu veux. En gros, tu collectes des objets, t'es dans des niveaux. Tu sautes, etc. Voilà, c'est un platformer. Mais dans l'univers de Bob l'éponge. Personnellement, grand fan de Bob l'éponge, notamment. Très très fan de Bob l'éponge. Les premières saisons, je suis un peu puriste sur le sujet. Je suis prêt. Et ouais, c'est les vrais doubleurs, pour ceux qui avaient un doute. C'est les vrais doubleurs, et ça c'est beau. C'est beau. C'est trop beau. Ils ont bien retranscrit l'univers Bob l'éponge. Trouvez Patrick chez lui. Et oui, et je sais où il habite, Patrick. Oui, un débile serait allé chez Carlo. Mais on sait tous que Patrick. Nous, on sait tous que Patrick est sous une noix de coco. Toi, tu penses que c'est une noix de coco? Ah, pour moi c'était une demi-noix de coco, même si c'est un énorme caillou. C'est juste un caillou. Alors ça peut être un caillou, c'est tout plat. Mais je me suis dit qu'il a mis l'intérieur de la noix de coco. Monsieur, quand il la lève, elle est plate. Ton âme d'enfant, il y avait une noix de coco, et moi ça me. Ouais, mon âme d'enfant, c'était une noix de coco. Ça me régale. Oh, j'espère trop qu'on va aller au crabe croustillant et qu'on va manger des petits burgers là-haut. Et qu'on va voir la recette du pâté de crabe. Vous savez qu'on a fait des cartes Bob l'éponge? Oui. Pardon, j'ai crié très fort. Voilà. Enfin. Ah oui. Enfin, c'était avant le drame. Le drame de l'avocate. Elle a la jaunisse ou Sandy ou c'est... Ouais, alors, c'est la lumière. Tu crois? Ok. Bob, je suis très malade en ce moment. J'ai une question au chat. Il y a un épisode... Alors la ref est horrible. Il y a un épisode... Il y a un épisode du bus magique. T'as qui là? À Bob l'éponge? Non, j'ai pas dit ça. Attention. Non, je parlais au jeu. Il y a un épisode du bus magique où il y a le boutonneux à lunettes. Il mange beaucoup trop de carottes, je crois, et il devient orange. Et genre, est-ce que quand tu manges trop d'un aliment, genre la carotte, tu peux devenir orange? C'est une vraie question ou pas? C'est une vraie question, mec. Oui, c'est possible. Ah, tu vois. Mais c'est pas possible. Tu vois, le carotène. Comment ça, tu deviens orange? T'as vu comment t'as pris un truc ou pas? Mais c'est pas possible. C'était dans le bus magique. Donc fais gaffe, mec. Fais juste gaffe avec tes carottes. Mais si c'était le cas, je serais marron et je serais de blackface parce que j'arrête pas de manger du chocolat. Tu veux dire tout marron. Non, je crois que c'est le carotène spécifiquement. Ah, donc ça marche qu'avec la carotte. Ah, mais il y a du carotène dans les autobronzants et tout, non? C'est pas ça le délire? Ah, c'est pour ça les meufs elles sont oranges. Elles pourraient ah, le faire. Pour ça. Elles pourraient le faire juste en mangeant plein de carottes. Ah ouais, y'a pas besoin. Juste à se frotter des carottes sur le corps ou en bouffer. Le petit tips avant l'été, il a bouffé des carottes. Anecdote, j'ai jamais aimé Sandy. M'a toujours fait chier. C'est vrai que. Alors Sandy, elle est un peu chiante. En plus, je me souviens d'épisodes où elle est un petit peu désagréable. Elle a un peu d'ego. Elle est un peu. Pas une personnalité très agréable. Voilà. Oh, mais c'est bien de le dire. Et en plus, excusez-moi. Mais un écureuil n'a rien à foutre dans l'océan, d'accord? Sandy, en vrai, ça va, mais alors l'écureuil, non. Retourne chez toi, Sandy. On veut pas toi ici. On veut pas toi, Bikini Bottom. Ouah, quel jeu! Mais attends, là, qui n'est disponible où? Sur l'Epic Game Store! Avec le code créateur, tranquille. Il faut cliquer c'est où? C'est bon! C'est bon! Il faut cliquer où? Dans la description! Je souhaite que Patrick vive la plus grande aventure ballonesque de sa vie! Ah, il va juste exaucer son souhait, c'est tout, hein! Je souhaite que le monde entier réalise à quel point Sandy est incroyable! Et à commencer par Terracid qui la trouve pas incroyable du tout. Super. Oh non, il a détruit Bikini Bottom. Mais si tous les souhaits sont exaucés, ça veut dire que tout le monde va trouver Sandy hyper cool. C'est horrible. Oh, tu voles avec une boîte à pizza. Petite référence à l'épisode où Bob et Patrick sont livreurs de pizza. Mais tu es vraiment appui à référence. Grand fan de Bob. Et je connais probablement beaucoup mieux Bob l'éponge que beaucoup d'autres œuvres qui valent la peine d'être connues. Et c'est ça qui est triste. Je suis une grande bite en cinéma, par contre, Bob l'éponge, j'ai pas mal de trucs. On va sur le plancton. Plancton est finalement, dans le fond, quelqu'un de bien. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est très malheureux. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un des meilleurs méchants des 30 dernières années. C'est l'un des meilleurs antagonistes qu'on ait eu au cinéma. Voilà, il a une backstory qui est folle. J'ai eu beaucoup d'émotions avec Plankton. Espèce d'idiot multicellulaire. C'est pas un doubleur connu pour un truc... Il me semble avoir une anecdote sur le doubleur de Plankton. Oui, il doublait beaucoup de porno dans les années 80. Ah d'accord, avec cette voix là. Oh putain, je vais jouir. Putain, si j'appuie pas sur A, ça fait vraiment des gigas blancs. Personne rigole. Le bide. Attends, là, tout le monde est saoulé par la scène. Bon bah génial. Voilà. Merci Karen. Oh, c'est qui ça? Elle existe dans dans le dessin animé? Je n'ai pas la ref. Mais mignon. Vous êtes mignon. Oh, le premier skin. Oh. Trouve
Trouve le portail qui correspond à ton costume. Je sais. Le western. Oui. Ça, c'est sûr, c'est ça. Bah. Je pense que c'est ça, c'est sûr. Quoi, le western? C'est le portail qui correspond à mon costume. Je suis sûr, c'est le monde western. Je suis malin, je crois que j'ai plein de costumes. C'est-à-dire que Epic t'a fourni plusieurs costumes. Oh, c'est mon épisode préféré. Il est trop bien celui-là. C'est l'éponge séchée, oh, le desséché, il est horrible. Oh, j'aime trop, l'épisode est horrible. Regardez-moi ça. Il est tout sec, c'est atroce. Il est horrible. Désolé l'ami, je cherche mon vieux copain. Oh non mais je peux plus le voir comme ça. Ouais, c'est difficile. En plus, il faut le changer de costume parce que là c'est pas possible. Il va falloir qu'on le change. Bonjour l'ami. Je cherche Monsieur Krabs. C'est horrible. Mais en gros, Madame Cassandra, c'est la grande méchante, non? Bah, elle veut... on n'a pas l'impression que c'est la méchante en tout cas, vu comment on en parle. Ouais. Mais moi, je pense que c'est la méchante. Et qu'elle veut toute la gelée du monde pour recouvrir pour le monde. Pour en faire quoi? Non, bah non, c'est de gelée cosmique? Non, je sais pas son plan machiavélique avec la gelée, mais honnêtement, spoil pas. Les gars, c'est qu'une intuition. Spoil pas, les mecs sont vachement investis dans le scénario de Bob Lépin. Non, spoil pas, s'il te plaît, par putain. Par contre, no spoil, sérieux. Oh non, j'ai pas encore pu tester. Miam. Je suis déjà à 217 gelées. Hein. Je pense que personne à ce moment-là du jeu en a autant. J'ai joué jusqu'à 1500 gelées. L'enfoiré, il passe aux aveux. Tu t'es régalé quand même. 1500 gelées. Je voulais tester, je me suis dit, hey, j'ai la clé en avance, je peux tester, voir ce que ça vaut. Il voulait vraiment. Contre, j'ai skippé tous les dialogues, donc là je découvre l'histoire. En gros, il voulait vraiment pas jouer longtemps, mais il voulait juste voir ce qui se passait vers 1500 gelées. Juste pour, par curiosité, quoi. Après, quand il m'a dit que tu avais joué, j'ai regardé, je suis allé voir ton profil, j'ai fait, il a joué combien de temps? T'as regardé mes ongles, espèce de salaud. J'ai vu, ok, une heure. Et là, maintenant, j'apprends que c'était sans les cinématiques. Et ça, du coup, c'est énorme. Regardez le Wanted. Monsieur Crabbe est Wanted. Attends, pourquoi il serait Wanted, Monsieur Crabbe? Ce serait dans ce monde-là un bandit. Ah, il a pas fait de la fraude fiscale, Monsieur Crabbe? Non, il y aurait pas de fraude fiscale dans Bob l'éponge. Ce serait bien le genre. Y a pas un épisode sur la fraude fiscale? Je sais pas, mais en tout cas, Monsieur Crabbe, c'est vraiment le genre de mec qui fait de la fraude fiscale. The Red Undead Bandit. J'adore la sauce orange. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il sert à rien à chaque fois qu'il fait pas. J'adore le débile. Sauce. Moi aussi, mais bon, je le dis pas. On dirait une aventure dans notre aventure. Une avant-aventure. Oh bah si Bob s'y met. Ça va être van sur van. Accrochez-vous. Hein. Tu penses qu'ils ont des distributeurs de friandises ici? Non mais il est trop chiant. Oui Patrick, Patrick. Il est complètement débile. Oui Patrick. Patrick, c'est la fin du monde. Moi aussi j'ai faim. Ça va aller Patrick. Il est complètement con. Oh là, c'est d'une précision redoutable. Ah ouais, par contre c'est des tout petits blocs. Là c'est des passages pour adultes. Hein. Et c'est terrible. Pour adulte. C'est un jeu pour adulte là. Moi je gonfle quand je mange de la nourriture pour escargot. Patrick. Chaque fois. Patrick. De la nourriture pour escargot, ça n'a aucun sens. Pour l'instant c'est limite à la hauteur niveau qualitatif de Red Dead 2. Hein. On a un cheval, monde ouvert, c'est une dinguerie. Hein. Pour l'instant moi je les mets au même niveau. Il y a plein de personnages, tous avec leur personnalité. Miam, oh, j'en ai pas besoin mais je le prends. Oh attention. Non mais là c'est... C'est Sergio Leone là! C'est des effets, c'est... ça me rappelle les phases d'action d'Uncharted! Oh, c'est fou! Ouh, encore de la gelée! Encore de la gelée! T'as fait Elysée Moon là! Bah, c'est quasiment pareil! Vous allez finir le jeu? Oui, c'est un marathon! On se couche à 7h du matin! Voilà, on va faire le 100% ce soir. J'ai terriblement faim. Imagine un délicieux pâté de crabe. Là, je mangerais n'importe quoi, même un truc sale! Même un truc qui te bousillerait le bide? Ouais! En mode pas de lendemain, pas d'impératif demain, télétravail, je m'expose le fion! Jolie danse, hein. C'est rien ni plus ni moins que le twerk de l'époque. Hein. J'aime pas les cactus, c'est même pas bon. Patrick, pourquoi cette intervention? Vert, juteux, épineux, comme un concombre qui te fait bobo à la bouche. Ça marche, Patrick. Oh, putain, Patrick. Maman buvait beaucoup d'alcool quand elle était enceinte de moi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu vas récolter tout ce bon jus de cactus. Ouais, ils ont, t'as vu, ils ont des grosses pustules. Là. Faut les éclater. Faut les aspirer. Oh. Tu vas sucer le jus de cactus. Sucer le cactus, tu vois? Ah ouais, j'ai trop envie de manger un truc, genre un ouais, ça donne envie de sucer, hein. Un petit truc sucré, ça me donne envie de sucer, un truc sucré. Genre un petit, je sais pas. Un petit filou tube. Un bon petit filou tube. J'en achète des fois. Bah, t'as quand même plus de 30 ans, quoi. Oui. Et pourtant, j'en achète. J'ai le droit, non. Qui va me dire le contraire? Bah, les mères de famille qui t'en laissent pas pour leurs enfants. Mais qui vident le rayon pour casser les couilles à tout le monde. Là, on suce. J'ai jamais eu l'audace de goûter les filou tubes. Bah, à tort, c'est excellent. C'est après, plus c'est... moins qu'un yaourt, c'est juste que la forme est sympathique à boire. C'est un petit suisse, quoi, mais. Un petit suisse, c'est pas marrant. Un petit filou tube, c'est marrant. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un flambi. Ça aussi, c'est sympa. Mais un vrai, que tu retournes et à qui tu retires la languette. Ouais, tu le gobes là. Continuez comme ça, mes petits négos. J'ai eu peur qu'ils disent le n-word. Attention, selon la prononciation, que le doubleur est un peu bizarre. Attention, monsieur.
Monsieur Kraft, parce que vous avez beaucoup bu. C'est jamais. Ah, il y a un bar sur l'île et en Belgique qui fait une bière au cactus. C'est une régalade. Et comment il s'appelle? Donne pas la moitié des infos, ouais, alors. Ça sert à de me chauffer, là, dis tout. Ferme ta gueule, là. Ouais, il est bientôt. C'est bientôt la fin du stream, j'ai encore du temps, hein. Partage. T'as encore ouvert, là, donne l'adresse. Ça ferme à quelle heure? Tout ce désert doit te donner des hallucinations. Patrick qui fait en sorte d'être le plus con possible à chaque fois qu'il parle. Putain, insupportable. Tu serais qui, toi, dans Bob l'éponge? Monsieur Crabbe. Voilà, c'est. C'est le seul qui a un peu conscience de la valeur de l'argent, excuse-moi, mais les autres sont complètement cons. Pourquoi j'aurais dit la même chose? Ouais, tu serais qui, toi, dans Bob l'éponge? Alors, j'hésite entre un Carlo et Bob. Non, oh, je serais peut-être le personnage principal. J'ai une âme pure ou pas? Je dirais même que t'es un connard. Un connard! Carlo, ouais, pourquoi pas? Carlo, c'est bien parce que Carlo, c'est un L. Carlo, il est bien aigri, bien chiant. J'ai dit que c'était un L, lui, il me dit il est bien aigri, bien chiant, salaud. Ah, fini les frottements. Quoi? Oui, ça fait deux fois qu'il dit ça, la première fois, j'ai pas relevé. Fini les frottements? Je suis pas certain du. Ah, fini les frottis vaginales! Ouais, c'est ça, cette vibe un peu là. Si vous me récupérez ma dent. Ouais, il te manque qu'une seule dent, ouais. Ouais, ah bah je vois qu'il en manque qu'une, hein, donc on va aller la chercher, la seule et unique dent qui vous manque. Comme ça, t'auras une belle dentition. Ah, y a quelqu'un qui a juste dit. Mais le lore. Mais le détail dans l'histoire. La profondeur du scénario. Les dialogues de Patrick. Wow. Non mais ouais, je suis désolé, mais Red Dead n'a jamais fait mieux. Voilà, c'est ce que je disais, genre, ok, on est dans le même genre de thème, mais par contre, c'est vachement bien fait, quoi. C'est autre chose, quoi. Ouais, le dernier niveau d'Hitman, c'est dans un train comme ça, mais niveau rendu, ça n'a rien à voir. Alors c'est... ça n'a rien à voir. Ok, là, c'est maîtrisé, tu sens la vitesse. Là, ils ont mis la barre très très haute. Regardez, wow, 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 regardez, wow, 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 regardez wow, ça, wow. Regardez ça. Wow, 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 wow. Mais c'est mission impossible ou quoi? L'impression de vitesse. Je devrais arrêter de boire autant de soda au cactus quand je suis en service. Et là, les petits n'ont pas compris la blague. Mais en réalité, elle est juste alcoolique. Elle est complètement alcoolique et elle a des hallucinations. Tu sais ce que c'est, le monde ou pas? Je parie sur le monde esquimau. Moi, j'ai un truc chiant, genre industriel. C'est un nightclub. C'est le monde de la débauche. Oh putain, Bob avec les stripteaseuses. Des gros poissons à poil là. Bob qui va taper de la coke sur le cul d'une truite. Oh là, tu vas devoir le combattre. Non, alors lui, impossible de le combattre. Tu savais qu'une baignoire aujourd'hui, ça pesait rien? C'est vrai. Il y a des baignoires qui pèsent, je sais pas, 4 kilos genre. Pas possible. Bah si, en fait, parce qu'elles sont en... C'est en quoi les baignoires qui... C'est même pas de la merde. Non, t'en as acheté une, elle est en quoi? Putain, vous savez, en céramique. Bah non, justement pas en céramique. Ah non, céramique c'est lourd. Il a 5 ans lui, une baignoire en saucisse. Ah bah super. Baignoire que j'ai enlevée, elle pesait 300 kilos, mais ça c'est les vieilles. Et c'est aussi bien, genre les baignoires légères, c'est résistant dans le temps. Si elle est bien posée, elle se plie pas. Y a pas de... Ah ouais, mais ça, tu vois, ça c'est le genre de baignoire, alors je m'y connais un peu, c'est le genre de baignoire qui est un peu malléable, qui peut se tordre légèrement. À tous les coups, c'est une baignoire qui est collée avec des joints que t'as mis au mur, et ben en bougeant de plus en plus, les joints vont se décoller et l'eau va s'infiltrer sur les côtés. Et non, t'es calé toi en plomberie. Oui, parce que c'est ce qui m'est arrivé dans mon ancien appartement, donc je te le dis, si la c'est baignoire, je ne sais pas, je me lave pas. Je sais pas, je comprends pas le débat. Je comprends pas de quoi vous parlez depuis tout à l'heure. Ça n'a aucun sens selon moi. Qui a encore une baignoire en 2023? Attendez, j'ai acheté un immeuble, mais peut-être qu'un jour il sera en location. Il a dit j'ai acheté un immeuble. Un immeuble. Regarde, j'ai fait un hôtel. J'ai acheté un Écoutez, immeuble. Vous pouvez pas comprendre, j'ai fait un immeuble. Un hôtel. Mon immeuble, peut-être qu'il y a jour, il y aura de la location. Non mais alors, je suis désolé, mais moi j'ai une baignoire, oui, mais je prends pas un bain toutes les semaines. Par contre, une baignoire pour moi, c'est nécessaire. Genre, de temps en temps, voilà, parfois, tu vois, j'ai mal au ventre. Et la seule chose qui me soulage, eh ben, c'est un bain chaud. Mais ça, je c'est me parfait, dans ça. Mon bain chaud, et donc pour moi, une baignoire, c'est obligatoire. Bien sûr. Ah bah moi, c'était juste pour... Parce que si les gens qui venaient en location, ils avaient un gosse, bah il y avait une baignoire. Voilà. C'est de la prévoyance. Du coup, j'ai mis une baignoire dans l'immeuble. Au troisième étage. Les autres se démerdent. Si je repère sur cette partie-là, j'offre 100 subs. Hein. Oh putain. Ça, c'est très Hello, clair. Vous avez écouté? Impossible que je reperde. S'il perd sur cette partie-là, il offre 100 subs. Tant que c'est en travelling, ça joue. Et pourtant, c'est exigeant. Hein. Mais bon, je suis joueur. Pour le faire perdre, toutes les techniques sont autorisées. Des doses, sonner chez lui, pour 5 clous sur sa fenêtre. Après, par contre, là, faut pas stresser. Hein. Je stresse pas. Oh non, un combat de boss. Merde. Allez, il m'emmène vers le bord. Il y a moyen que je perde. Il m'emmène. Ah oh, je suis bon au jeu. Oh non, ça recommence. Eh hop là, je me permets même. C'est... Oh là, oh là, oh là, oh là.
Ouais, regarde, t'en suis là. Let's go. Mais dites pas qu'il a, il a fini. Alors, les nuls. Il a fini. C'est qui le meilleur? C'est vous qui devez offrir 100 subs. Ah, je suis dégoûté pour vous. Ouais, c'est vous. Vous avez perdu. Au moment où vous avez dit, ouais, d'accord, là, qu'on participe et à nous d'offrir 100 subs si tu gagnes, j'ai pas compris, mais tant mieux. Ça va, vous êtes 12 000 et il y en a qu'un qui doit le faire. Ça va. Ça aurait pu être chacun de vous, hein. Je me demande ce que ça fait de péter dans l'espace. Genre, tu vois, péter dans ton bain. Est-ce que ça te donne une impulsion? Ah. Ouais. Sur certaines planètes, je pense que oui, en vrai. À mon avis, à une faible dose, c'est vraiment, il y a très peu de gravité, il y a moyen que ça te donne une petite impulsion de péter. Genre, l'autre fois, je regardais un post Twitter avec, tu sais, si tu sautes sur les planètes, ce qui se passe. Il y en avait où tu décollais de fou, et je pense que du coup, un simple pet, ça doit être. Ça doit... Bah, ça t'aide, hein. Ouais. Ça te booste. Il y a forcément un astronaute qui s'est bien secoué le tube de dentifrice là et qui a regardé le dentifrice sortir en slow motion. C'est dinguerie de voir ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Tout est cool, quoi. Je cherche des trucs cool à faire. Niqué. Tu sais quoi, ça doit être épuisant. Ça doit être chiant. Mais ça doit être trop du épuisant. Ça doit être comme dans l'eau, mais encore pire. Du coup, là, dans la station spatiale, là, ça baise ou Et alors là, pesqué. Alors, pesqué, il y a une question que personne ne te pose jamais. Moi, je vais te la poser, moi. Ça nique ou pas, là, pesqué, là, dans l'espace? Vous vous sentez très seul, loin de votre famille. Non, parce que je sais que pesqué, il a déjà dit qu'il secouait le tube à haricots, là, mais je veux dire, niqué. Ça nique ou pas? Je vais me rendre encore plus photogénique. Oh! Oh, les lèvres, elles me dégoûtent! Là. Il est horrible! Voilà, screené, free fond d'écran, screené! Oh putain! Ah, mais t'as vu, c'est que des poses de Bob l'éponge! C'est vraiment connu! Des poses connues! Oui! La poule et tout, c'est des gifs Twitter que j'ai déjà vu plein de fois! Regarde! C'est que c'est des putains de gifs Twitter que j'ai vu plein de fois! C'est la base de tout! Ça là, c'est toutes les poses connues! La poule, ouais, C'est ouf! Ah, c'est trop ouf! Ah. Quelqu'un a dû s'occuper des paparazzi! Tu peux passer maintenant! Il a pas du tout une voix de vidéo. Il a une voix toute aiguë! Franchement! Fait moins peur que ce que je pensais. Quelqu'un a dû s'occuper des paparazzi. J'ai vu que Gameblog, ils avaient mal noté le jeu, mais ça, c'est, ils y connaissent rien, ces gars-là. Et la honte, la honte. C'est la honte. Gameblog, quand ils sont pas payés par les éditeurs, ils mettent des mauvaises notes, hein. Gameblog, ils ont dit moyen, mais vous avez de la merde dans les yeux, quoi. Alors que tout à l'heure, j'ai vu un tweet de Sakor, je sais pas si tu l'as vu. Non. Je l'ai vu passer. Il a dit, bah, je pensais m'être fait trap hier quand les viewers m'ont dit de jouer au dernier Bob l'éponge sorti hier. En fait, c'est juste le GOTY. Ah, bah voilà. Tweets, regardez ce magnifique Cave Bob, il a ses skins de débloquer. Bon, bah voilà. Alors on parle entre connaisseurs. Écoutez les vrais connaisseurs. Ça doit être sympa, speedrun. C'est plus dur qu'Elden Ring. En vrai, les speedruns de Bob l'éponge, je suis à la seconde, ouais. Pourtant, ils sont longs. C'est quand même très précis, ouais. Après, le jeu de base est plus dur qu'Elden Ring. Je peux me permettre. Alors, Timéo, il fait ça? Non, là, j'avoue que c'est assez impressionnant. Je crois pas. Et ça? Là, j'ai été impressionné. Est-ce qu'il fait ça? Oh là, bah là, je suis bouche bée, on dirait du Prince of Persia. C'est ouf! Non, en vrai, les niveaux, sans déconner, deviennent de plus en plus compliqués. Ouais, et vu qu'il y en a plein, vraiment, je pense à la fin, c'est. Je pense que tu te casses la gueule, vraiment. Ok, par curiosité, on peut regarder le prochain monde. Trop stylé. Ah, c'est la classe. Donc, le prochain monde, c'est le monde pirate. Va dedans, va dans le monde pirate. Ah, c'est beau! Oh. Ah, j'aurais bien aimé le faire, celui-là. Ouais, pareil. Si vous voulez voir la suite de Bob l'éponge, The Cosmic Shake, c'est sur l'Epic Game Store, code créateur ou en kill. Pur banger! Classique jeu, classique gameplay. Il y a encore plein d'autres mondes à découvrir. D'ailleurs, en plus, quand vous marchez avec votre jambe de bois, ça fait des trous dans le sable. Regardez, ça fait une trace de pas et un trou. GOTY.